chaud. Après, quand l'eau va être chaude, je vais mettre dans une bowl avec un peu de baking soda pour garder la couleur vert originale pour bien laver et tout ça. C'est ma manière dont j'ai fait. Il y a d'autres personnes qui les préparent juste comme ça. Ça dépend de chaque personne. Donc, chaque personne elle a sa façon de préparer ses légumes. Alors, comme ma mère m'a toujours dit, avant de cuisiner, il faut te rassurer que les assiettes sont propres. L'endroit où tu prépares, c'est toujours propre. Les casseroles, là, tu prépares, ça doit toujours être impeccable. Parce que si l'endroit est bien propre, les casseroles sont propres, les assiettes sont propres, ça donne envie de manger, ça donne même l'appétit de bien se nourrir. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour ne pas tarder, on va mettre notre eau au feu. Et le temps que l'eau va commencer à bouillir au feu, je vais mettre ma petite casserole d'où je vais griller mes poissons salés et par la suite on va continuer à découper notre oignon. Donc c'est ça, je mettrai l'eau et par la suite je viendrai vous présenter comme ingrédient qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Je m'appelle Fanny, la maman des 5, une femme mariée. J'ai fait mes vidéos pour motiver les femmes qui ont de nombreuses familles, comment on fait pour garder nos maisons propres, les témoignages et tout de suite des vlogs, recettes, ménage dans la maison, donc la déco, tout un peu par-ci, par-là. On partage un peu de tout et de rien, mais dans la propriété et dans la volonté de Dieu. Donc, notre chemin fonctionne avec la lumière de l'Éternel. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous si mes contenus vous intéressent. Alors, likez, commentez ainsi que partagez. Je vous demande, s'il vous plaît, par l'amour de l'Éternel, par l'amour de votre sœur Fanny, abonnez-vous massivement pour me soutenir. Donc, je vous laisse encore pour suivre notre vidéo. Comme j'avais expliqué au départ, j'ai mis une cuillère un peu la moitié aussi dans les feuilles alors de mes légumes. Après, je vais me tremper dans l'eau chaude comme ça. Après, je vais laver et je vais prendre la petite casserole, je vais mettre au feu, je vais mettre les oignons dedans, l'huile, après tous mes ingrédients, je vais mettre dedans. Après, je viendrai rajouter mes légumes et on va laisser cuire toutes celles jusqu'à la fin qu'on va venir à lever. Et là, je suis en train de griller mes poissons salés. Et on va se retrouver le temps que je vais faire la sauce pour les poissons salés. Bon, là,
Je suis en train de créer mes poissons salés, les pictorios. Et j'ai mis l'eau au feu. J'ai mis les oignons verts, oignons mauves. Après, je viendrai rajouter mes légumes, les arachides et l'huile de palme. Et on va laisser notre légume cuire. Donc, quand ça va être prêt, on va se retrouver. C'est l'étape. Comment est-ce qu'on fait la sauce de notre poisson salé qui est le bitoyo. Alors, je vous laisse suivre au rythme de la musique. Bien cuit. Là, je mets la casserole pour faire la sauce de notre poisson salé à l'ibitoyo. Alors, donc, on va mettre juste les tomates et oignons verts, oignons blancs, et par la suite, c'est l'huile et c'est tout. Mais comme dans les poissons, il y a encore un petit peu de sel, je vais pas rajouter les sels, je vais utiliser le même sel qui est resté dans les poissons. Donc, c'est ça, suivez au rythme de la musique. On va se retrouver après.
Comme on dit toujours dans notre routine, ce qui commence bien finit très bien par la bonté de l'Éternel. Alors, cette vidéo tient à sa fin. Donc, notre légume des courges, les bibois-bois et les moudjibou est prête avec les bitoyo. Donc, on va se régaler aujourd'hui. On va vraiment se régaler bio, en santé. Donc, c'était tellement bon. Tendre dans la bouche, oh my god, c'était trop délicieux. Donc si vous aimez ces légumes ou bien si vous aimez les poissons, je vous conseille d'essayer ma recette. Ça vous ferait tellement du bien parce que c'est vraiment délicieux. Alors sans oublier, je vous demande encore, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement pour me soutenir. J'en ai besoin de votre soutien. Abonnez-vous mes sœurs, mes frères, mes tatas, mes oncles. Abonnez-vous massivement. Et là, je vais vous laisser suivre ça au rythme de la musique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.